Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en Ariège avec le soleil, bien sûr. Ça fait plus d'une semaine qu'on se tape un orage, de la pluie tous les jours. Donc, on n'a pas le temps de profiter. Enfin, on profite, mais que quelques heures pour faire un peu de randonnée, un peu de montagne, un peu d'escalade. J'en profite qu'il fasse beau pour faire cette vidéo et pour vous présenter un tout nouveau produit qui nous tient quand même à cœur parce que ça représente quand même un changement dans Marius. Je vous laisse regarder, c'est parti. Ça fait un an qu'on a testé les toilettes chimiques avec Marius et finalement, ça ne nous convient pas. Lors de notre tour d'Europe, c'était compliqué de trouver de quoi vider ou alors sinon il fallait payer à chaque fois. On préférait pas les utiliser. On a pris l'option d'aller à l'extérieur. D'ailleurs, pour ceux qui vont à l'extérieur, s'il vous plaît, prenez au moins une pelle ou un bâton pour faire votre trou et refermez le tout avec la terre. Ça se compostera beaucoup mieux. Et s'il vous plaît, repartez avec votre papier parce qu'il y en a marre d'arriver dans des endroits géniaux et que ça soit vraiment sale derrière, rempli de papier qui traîne par-dessus ou des cailloux pour tout cacher. Moi, personnellement, je prends un sac à dos ou un tote bag, je mets tout mon matériel dedans. Je peux prendre également des fois un petit sac plastique dans lequel vous mettez le papier ou vous prenez des feuilles en plus et vous mettez dans la première poubelle que vous voyez. C'est tout simple, mais ça fera plaisir à tout le monde. Bon, voilà, maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule, je peux vous présenter enfin ce produit qui nous tient à cœur parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique quand vous n'avez pas le choix quand vous êtes en ville. Donc c'est-à-dire ni champ ni forêt à l'horizon, ou tout simplement que vous voulez plus d'intimité, et ben ce produit là il est beaucoup plus facile à l'utilisation comparé à des toilettes chimiques. Toilettes sèches de chez Boxio, qui sont des toilettes à séparation. Juste pour parler des dimensions, on est sur un 30 par 40 par 28. Voilà, donc ça prend très peu de place. Vous pouvez mettre ça dans le coffre de votre voiture, dans le coffre de votre camion aménagé, dans le coffre de ce que vous voulez. Vous pouvez l'emmener n'importe où. Et en plus, il est très léger. C'est très léger, c'est très pratique à emmener. Avec les toilettes, vous avez une rehausse de 12 cm dans laquelle vous pouvez mettre la litière de chanvre, les sacs poubelles et tous les accessoires que vous voulez. Et on a des sacs plastiques qui sont compostables. Donc vous pouvez soit les mettre à la poubelle, soit les mettre au compost. Donc faisons le tour d'un peu plus près, je l'ouvre avec vous, voilà. Donc on a un couvercle avec voilà la partie séparation avec les urines, bon, le bouchon pour les odeurs et la partie solide qui se retrouve derrière. Donc ça marche très bien, hein. on l'a testé tous les deux et les urines vont bien dans les urines et il n'y a pas de mélange qui se fait. Là, vous avez juste à soulever. Vous avez un bac dans lequel par-dessus vous mettez le sac plastique et un bidon qui vient récupérer les urines. Donc ça, c'était quand il est en mode marche. Et quand il n'est pas en mode marche et que vous prenez la route, c'est mieux. Voilà, enfin, c'est mieux. C'est jamais arrivé pour l'instant, mais je pense que ça prend pas beaucoup de temps. On met ce petit bouchon là. Avec le joint, on remet le couvercle sur le bac, surtout. Ça permet de limiter les odeurs. Et ensuite, on referme le tout. Et on le range. Allez, voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle fera réfléchir certains. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vais vous mettre le lien du site Boxio directement. Ça risque de vous intéresser. Ça nous a conquis et je pense que ça va vous plaire. Sur ce, ciao.